conclusion, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal 25 ans jour pour jour depuis la disparition du deuxième président de la République démocratique du Congo, jadis Zaïre Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, revient encore dans la mémoire de la population congolaise. Une messe a été organisée à son honneur par sa famille biologique ainsi que politique ce mercredi 7 septembre 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala. Suivez. 7 septembre 1992. Grande mutation qui tourmente le monde. 25 ans déjà de son écoulement de la disparition de Mobutu Sese Seko à Rabat, capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête de la RDC ex-Zaïre. Les fondateurs du parti unique, le MPR, qui a été longtemps le maître absolu du Zaïre, a dirigé son pays de main de fer. Ça va approcher à l'île de l'Amboka, mais ça m'a encore été le droit pour ça. Au bout de là, il faut que ça ait. Tiens la place là. Parce que nous avons trois souvenirs de clés. Il a fait le pont maréchal qu'on ne ferait jamais jusqu'à notre, jusqu'à Jésus viendra. De deux, le palais du peuple. De trois, stade du martyr. Il fut chassé au pouvoir par la pression de la rébellion de l'Afden. Il s'y réfugia au Maroc. En ce jour, sa famille s'est réunie à la paroisse Notre-Dame du Congo au cours d'une messe d'action de grâce à sa mémoire. Mais ces capitales, son corps restait toujours en exil, malgré les promesses de Joseph Kabila du 23 octobre 2013 pour son rapatriement et de police internationale. Il sera l'arbitre. Les félix entendus ce qu'il dit, toutefois l'espoir n'est pas encore perdu. Le chef, avec le chef de l'État, félix entendus ce qu'il dit, pour lui offrir le funérailles du nom de son rêve. Toujours en sa mémoire, l'un de ses fils, donc l'un des fils de Joseph Mobutu, qui se nomme aussi Joseph Mobutu, accompagné de sa charmante épouse, on n'a pas manqué de placer un mot à cette occasion. Dans ce propos recueilli par Raïssa Kitambala. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, notre père, père de notre patrie, était un grand homme. Le genre de ces hommes-là, de ces tremplins-là, ne sont plus les hommes qui appartiennent à leur famille. Mais ils appartenaient plutôt à leur pays, à l'Afrique tout entière et au monde. C'est-à-dire, le maréchal Mobutu n'est pas mort. 25 ans durant, vous avez suivi l'officier qui a fait la messe mobile. Il y a eu une idéologie derrière sa gouvernance, celle de conserver l'intégrité territoriale de notre patrie. Et celui de lutter contre le tribalisme. Je crois que ce sont les grands acquis nous légués par le feu président de Mobutu qui seront perpétués de génération en génération. Raison pour laquelle il ne vivra jamais dans nos cœurs, dans nos pensées. À chaque fois qu'on parlera de la République démocratique du Congo, eh bien, on parlera du maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Une question encore. À quand le rapatriement de la dépouille mortelle de Joseph Mobutu? Mais normalement, maréchal étant un patrimoine national, c'était à l'État congolais de prendre les choses en main par rapport à l'organisation. Et par là, j'en profite pour demander à notre institution, le Parlement, s'ils veulent immortaliser ceux qui ont servi ce pays, ceux qui ont sacrifié toute leur jeunesse pour ce pays, ils doivent faire passer toutes les dates que nous commémorons pour nos héros et ainsi que les autres, doivent passer par le Parlement. Donc si c'est élu par le Parlement et adopté, ça va rester comme tel de génération en génération.
Nous sommes à Kinshasa, 3 jours de ratés de carburant. Les automobilistes peinent toujours à s'approvisionner dans les stations-service, lesquelles connaissent la baisse des stocks en approvisionnement. Noé Lambeau pour le détail. Depuis quelques jours, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fait face à la crise de carburant avec comme effet nocif. La surchauffée généralise dans les secteurs de transport en commun et aussi de longues files dans plusieurs stations-service. Bon, les problèmes de carburant, vraiment nous ne savons pas quoi faire ou comment devons-nous expliquer cela. Mais nous avons un problème sérieux. Concernant les carburants, ça fait déjà trois jours. Toutes les stations sont fermées. Nous ne savons pas d'où vient cette situation. Bon, jusqu'à aujourd'hui, voyez l'état de toutes les motos, sont là permanentes. Nous ne travaillons pas, c'est parce qu'il n'y a pas de carburant. Les prix de carburant sont au bout marché maintenant. Alors, nous ne savons pas, nous n'avons pas le choix. Et effectivement, ça peut être ceci. C'est parce que si le carburant est augmenté, le transport aussi doit être augmenté. C'est parce que les déplacements aussi, ça compte. Si les prix des carburants sont montés, les prix des déplacements aussi, les transports aussi, doivent être aussi montés. Des conducteurs motocyclistes et autres ont pris d'assaut les stations-service pour tenter d'avoir l'essence. Certains conducteurs ont unilatéralement revu le prix de la course à la hausse. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas. Et nous n'avions pas de visibilité et donc apparemment l'information a circulé, il y a eu un peu de panique en ville. Et donc les clients se sont précipités sur les points de vente, il y en a qui ont fait du stock et donc ça atterrit les stocks dans les stations. Mais ce problème là il est un peu dépassé. Cette situation a occasionné des embouteillages monstres dans les routes de Kinshasa. De son côté, le ministre de l'hydrocarbure assure que le pays dispose d'un stock suffisant de carburant et appelle au calme la population congolaise. Nous sommes à Kisangani sur demande de la gouverneure de cette province, Madeleine Nikomba. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a fini sa mission dans cette province, donc dans la province de La Tchopo, par la visite de l'usine des maisons préfabriquées dans la commune de Kisangani, située à 9 km du centre-ville le 6 septembre dernier. Les détails dans ces extraits. Arrivé à la fin de sa mission à Kisangani, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a visité l'usine des maisons préfabriquées à la commune de Kisangani, située à 9 km du centre-ville, avant d'arriver à l'aéroport en vue de prendre son vol de retour sur Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est passé par là pour voir comment organiser la perfection de cette usine. Gérée par l'Agence congolaise des grands travaux, cette entreprise est restée fermée depuis 2014. Il faut absolument en relancer les travaux. La construction de la route RN4 qui relie en fait la province ici de la Tchopo à celle de Ituri. Là aussi, avec le ministre d'État et ministre des ITPR, il a pu faire une descente pour s'assurer d'abord que dans le cadre des contrats qui ont été pris, les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible. D'après le commandant provincial de l'aéroport, Godard Wambamakola, ces travaux de réhabilitation qui ont été lancés en 2017 avaient connu un arrêt pour reprendre au moins de juin 2022. Ces travaux peuvent prendre fin dans 4 mois. Ainsi, face à la presse, le chef du gouvernement a fait le point sur l'objectif de sa mission dans la Tchopo en ces termes. Retenons qu'avant de prendre son vol à l'aéroport de Bangoka, le Premier ministre a fait l'état des lieux, des travaux de réhabilitation de l'aérogare de cet aéroport. Je vous garde à Kisangani où une délégation du cadre de concertation provinciale de la société civile de la Tchopo a été reçue le 6 septembre dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'était lors des séries d'audiences qu'il a accordées aux différentes couches de la population de la province de la Tchopo. Suivez.
Clôturant la série d'audiences qu'il a accordées aux différentes couches de la population de la Tchoupo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mardi dernier une délégation des cadres de concertation provinciale de la société civile de la Tchoupo. Comme l'a affirmé devant la presse Alphonse Longongo, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de la province et à ce titre porte-parole de cette société civile dans son ensemble des questions socio-économiques, sécuritaire et des gouvernances en passant par le bénéfice que les populations de la Tchoupo doivent tirer de leurs forêts qui font l'objet d'une attention particulière du monde entier sur le plan environnemental. Nous avons échangé essentiellement sur trois points, c'est-à-dire que sur le plan politique ou bien sur le plan de la gouvernance, ainsi que sur le plan social et économique et sur le plan sécuritaire. Nous avons présenté l'ensemble des préoccupations de la province liées notamment aux attentes en ce qui concerne l'accès des populations aux services sociaux de base, mais aussi liées à une meilleure gouvernance pour que l'action de l'État soit bénéfique aux populations de la province. À ce stade, nous avons passé en revue la question de l'électricité et de l'eau potable, la question des écoles et des centres de santé, ainsi que la question de la sécurité dans la ville de Kisangani, ainsi que dans la partie où nous enregistrons encore les colonnes. Nous sommes très ravis par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous les questions environnementales, parce que tout le monde sait que l'organisation des préfets provinciaux est une occasion où l'État présente au monde entier que la RD Congo générale et la Tchoupo disposent des forêts et doivent bénéficier des avantages de ces forêts. Retenons que toutes les préoccupations de la Tchoupo, notamment celles liées aux attentes en ce qui concerne l'accès des populations aux services sociaux de base, ont fait l'objet des échanges entre cette délégation et les chefs du gouvernement. D'une province à une autre, une mesure prise par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama Adjouni, arrêtant tous travaux de construction sur la concession du camp PM à Bounia dans la province de l'Ituri, dans le souci ou dans le but de garantir la paix sociale en cette période sécuritaire qui traverse la province. Les détails avec Junior Selemani depuis Bounia. Dans le cadre de l'aménagement du camp PEM, situé non loin de la prison centrale de Bounia, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a décidé la délocalisation des occupants de cet espace, qui sont en majorité des familles et des policiers, explique Justin Bitangalo, chef de division de l'Habitat en Ituri. Nous avons reçu une série des arrêtés venant de son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, portant plan d'aménagement de l'emprise du camp PEM pour construire les bureaux des divisions provinciales de la province de l'Ituri qui sont sans abri aujourd'hui. Alors, nous avons amorcé les travaux, pas par rapport au déguerpissement, mais à la délocalisation. Parce qu'il faut d'abord que les gens comprennent que cette action ne touche pas tous les camps PEM. C'est l'emprise de 10 mètres au bord de la route où on va construire les bureaux de l'administration publique de la province de l'Ituri. Action qui a engendré des inquiétudes, le concerné a présenté leur doléance au gouverneur militaire de l'Ituri. Un bon père de famille, à l'issue d'une réunion convoquée ce lundi, l'autorité provinciale, le lieutenant général, le Luboya Nkashama Adjouni, a décidé de surseoir ses travaux pour ainsi garantir la paix sociale en cette période cruciale qui traverse l'Ituri. Lors de son sport le samedi, son Excellence Monsieur le gouverneur était passé par là, aperçu par les mamans, et c'est pourquoi aujourd'hui il nous a demandé de s'asseoir d'abord sur ces travaux qu'il juge inopportuns par rapport à la situation sécuritaire et que dès lors que la paix sera rétablie, nous allons poursuivre ces travaux. À ce stade, les hommes en uniforme et leurs dépendants doivent vaquer librement dans leurs activités sans moindre inquiétude. Parlons éducation à présent, l'association de professeurs de l'université de Kisangani vient de déclencher
un mouvement de grève sèche a daté de mardi 6 septembre jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ces revendications sont la mise en pratique de l'entente de Bibois entre le Rapico et la partie gouvernementale de l'année passée. La lecture de la décision a été faite par le professeur Jean-Pierre Ifoli Baléa au sorti de l'Assemblée générale. Cet extrait vous est choisi par Marcelo Kalinda. ...de l'Association des professeurs de l'Université de Kisangani. A tenu ce mardi 6 septembre 2022 une assemblée générale à la faculté de sciences. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des accords de Bibois signés entre le gouvernement de la République et les bancs syndicales représentés par le RAPICO et la légitimation de son nouveau comité directeur. Après examen de ce point inscrit à l'ordre du jour, l'Assemblée générale a constaté que la partie gouvernementale n'a pas respecté ses engagements concernant les indemnités de recherche, le dossier véhicule, la récupération du pouvoir d'achat des professeurs. Aussi, elle a réitéré sa confiance totale à son nouveau comité élu. À l'issue de cette Assemblée générale, les décisions suivantes ont été prises. 1. Du renouvellement de la confiance totale à son nouveau comité élu. L'ABICUS réitère sa confiance totale au comité élu dirigé par le professeur ordinaire Antoine Ngoute Novato. Seul ce comité est autorisé à engager l'ABICUS et à parler au nom des professeurs de l'Université de Kisangani. 2. De la grève. L'ABICUS informe l'opinion publique qu'à dater de ce mardi 6 septembre 2022, elle reprend la grève sèche et illimitée. Par conséquent, toutes les activités suivantes sont suspendues. Enseignement, séminaire scientifique, soutenance des mémoires et des thèses de doctorat. Cette grève ne sera levée qu'à la satisfaction des dites revendications. Seule l'Assemblée générale de l'ABICUS est compétente pour décider de la levée ou de la suspension de la grève. Fait à Kisangani, le 6 septembre 2022, pour l'Association des professeurs de l'Université de Kisangani, professeur ordinaire Antoine Ngoute Novato, président, professeur ordinaire Jean-Pierre Ifoli Baléa, secrétaire. Pour soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix et ses démarches entreprises pour la gratuité de l'enseignement à travers le pays, le patron de l'ESI a organisé des activités qui s'est déroulée dans l'enceinte de la grande salle Full Gospel en présence de plusieurs personnalités. Mouindo Nzangi a donné l'idéologie de sa formation politique aux habitants de Goma. Pour la même ou par la même occasion, le jeune venu écouter Mouindo Nzangi s'est décidé d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre ensemble pour libérer cette partie de l'Est de la République. Quatre personnes, dont trois conducteurs des taxis moto, c'est le bilan d'un accident dans la commune de Ngaliema sur l'avenue Marine au quartier Upen. Le 6 septembre dernier, un camion transportant les moellons a connu une panne de frein et a foncé sur ses victimes. D'après le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci Maimbandi Luanga, cet accident s'est produit vers 15 heures. Parmi les victimes, quatre blessés graves ont été acheminés au centre hospitalier La Borne. Ce véhicule a été brûlé par la foule en colère dont le proche de victimes décédées. Parlons sport pour boucler cette grande édition du journal. Pas de Douala Lupembe ni de Zaira Mouigny. Le staff technique du technicien français Sébastien Desarbres
à la tête de la sélection nationale a été dévoilée par la FECOFA mardi 6 septembre 2022 dans la soirée. Sébastien Desarbres sera secondé par l'Espagnol Rafael Amidi et par le Congolais Pamphile Mihayo. Suivez cet extrait que vous propose Josué Lelo. Contrairement à celui de l'Argentin Hector Cooper, ce dernier est marqué par la présence du sélectionneur adjoint de la sélection à prime, Pamphile Mihayo Kazembe. A signalé aussi la reconduction de Robert Kidiaba comme préparateur des gardiens. Par contre, Daoulalou Pembe et Zahira Mouini ne sont pas reconduits. Par ailleurs, le docteur Jean Vervier, Émile et ses compagnons Adrien Prost, Paolo Righini ne verront pas leur aventure se poursuivre dans la tanière de Léopard. Le docteur Mbungu Kakala est lui bien présent au sein du staff médical. Ce staff constitué de 21 personnes accompagnera Desarbres pour les 3 prochaines années. En voici la composition. Manager sélectionneur, Sébastien Desarbres, entraîneur adjoint 1, Raphaël Amidi, l'Espagnol, entraîneur adjoint 2, le Congolais Pamphile Mihayo, entraîneur en charge de la préparation physique, Jérôme Antonio, entraîneur en charge de gardien, Robert Kidiaba Mouteba, médecin de l'équipe, Dr Mathieu Zingani, médecin anti-Covid, Dr Mbungu Kakala, kinésithérapeute 1, Thomas Fritz, kinésithérapeute 2, Cédric Fausto, ostéopathe, Jean-Luc Arberet, autre membre, manager, Dodo Landou, secrétaire, Marcel Mayala, intendant, Serge Bagueta, officier média, Jérick Alemo, Kitman 1, Momiki Ayemo, Kitman 2, Serge Nyangui, cuisinier, Antoine Bongo Bongolo, agent sécurité, Lofo Bongeli, Patrick Apataki, Richard Nkoussou. À titre informatif, le Fauve Congolais seront en stage bloqué du 17 au 29 septembre prochain à Casablanca au Maroc, au cours duquel ils affronteront le Burkina Faso et la Sierra Leone pour tenter de faire une première évaluation sur la voie de la reconstruction de l'équipe A. Fin complète de cette grande édition du journal qui porte la signature de Raissa Kitambala. Si vous avez aimé, dites merci à Aline Bini.